Et terminons avec la fête des lanternes ou la fête des Yuanxiao en chinois, qui est une fête traditionnelle chinoise célébrée le 15e jour du premier mois lunaire lors de la première pleine lune de l'année. Dans les temps anciens, depuis la dynastie des Song, les enfants sortaient la nuit au temple pour y porter des lanternes de papier. Nous nous sommes rendus aujourd'hui dans un jardin d'enfants situé dans le district de Sichuan à Beijing pour voir comment enfants et parents perpétuent, non sans enthousiasme, la tradition. Pour réussir une belle fête pour les enfants, il doit y avoir des jeux, beaucoup de jeux. Et de la nourriture, beaucoup de nourriture. Et comme c'est une fête possédant une histoire millénaire, une touche culturelle est nécessairement au rendez-vous. Ces énigmes écrites sur papier coloré font le plaisir des petits curieux. Avec l'aide des parents, certains arrivent déjà à trouver la bonne réponse. Cinq frères qui vivent ensemble, qui ont une taille différente. Il s'agit des doigts de la main. Parmi les gourmandises proposées, les yuanxiao, soupes de boulettes de riz gluant, sont les plus prisées par les enfants. Âgés de 4 à 5 ans, ils ont déjà compris la symbolique que les ancêtres chinois ont voulu donner à ces desserts ronds et sucrés. Quelle est la signification de yuanxiao? La réunion familiale. Pour la fête des lanternes, les lanternes ne doivent pas manquer. Avec l'aide de leurs parents, les enfants ont créé des lanternes jolies et originales. Tu l'as fait toi-même, ta lanterne? Non, maman m'a aidé. Vous avez passé combien de temps à la faire? 2 jours. Si les parents chinois participent activement à ces manifestations festives avec leurs enfants, ce n'est pas seulement parce que c'est amusant. C'est une fête traditionnelle pour les Chinois. Où que nous soyons, la fête des lanternes a son importance. Les enfants, même s'ils sont encore très jeunes, doivent connaître ces fêtes traditionnelles. L'école aussi voit comme un devoir de transmettre les traditions chinoises. Pour chaque fête traditionnelle, de telles manifestations sont organisées pour imprégner les petits d'une civilisation plusieurs fois millénaire. L'identité d'une nation, c'est sa culture et sa tradition. Donc leur transmission est très importante. Mais les enfants sont trop petits. C'est pour ça que nous créons une ambiance pour les imprégner graduellement. Après l'école, la fête n'est pas finie, des parents sont déjà prêts à emmener leurs petits à des foires de lanternes nocturnes. Cette année, une vingtaine de foires à grande échelle seront ouvertes au public à Beijing. La Chine attache une grande importance à ses valeurs traditionnelles et c'est la raison pour laquelle elle les transmet de génération en génération et a su conserver au fil des ans sa singularité millénaire.